Ah, il est loin le temps où quelques citoyens précurseurs préparaient et distribuaient des cagettes de produits frais dans un garage. Depuis septembre 2017, la cagette est devenue le nom d'un supermarché coopératif de 400 mètres carrés grâce à un financement participatif de 240 000 euros. Ici, pas de malbouffe, mais une alternative aux enseignes de la grande distribution. Ce qui m'a attiré ici, c'est l'esprit communautaire, en fait, de l'entraide, du fait d'être sur le non commercial, de pouvoir choisir aussi ses produits, en fait, d'avoir des produits de qualité, de savoir d'où ils viennent. Aujourd'hui, le supermarché compte 1350 copropriétaires qui doivent travailler 3 heures par mois dans l'établissement. Chacun passe naturellement de client à employé, toujours avec le sourire. Je suis spécialiste du brocoli, moi. Vous voulez un brocoli, ils sont frais, ils sont beaux, ils sont tout neufs. Tout ça, ça se fait dans la bonne humeur. On n'est pas là, c'est pas un boulot, c'est quelque chose qu'on a vraiment choisi de faire. Là, c'est mon premier tour de caisse. Du coup, je suis assistant. Et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Oui, ça passe bien. Voilà. Oui, oui, ça va, il passe bien. Comment tu vas payer? En carte. En carte. Autre démarche originale, la marge appliquée sur tous les produits est affiché à l'entrée. Nous, on a le principe de marge unique, pas de produits qui sont mis en valeur ou en avant plus qu'un autre. Et on se rend compte que finalement, sur certains produits, le bio n'est pas si cher que ça par rapport au conventionnel. Nous, notre objectif, c'est de chercher dans tout ce qui est autour de la distribution à créer des filières durables et économiquement durables pour tout le monde, tant pour les consommateurs que pour les producteurs. Cette année, les coopérateurs de la cagette se sont vendus à eux-mêmes plus d'1 million d'euros de marchandises.